Eh bien, bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue dans une nouvelle vidéo booktubing pour un livre de la sélection Baobab du prix Lire dans le 20e. On va vous présenter Moi et les Aquaboys, un livre écrit par Nat Lourdesema. Alors, Moi et les Aquaboys, c'est l'histoire de Lou Brown qui a 15 ans, qui en fait toute sa vie a été entraînée pour faire de la natation, a passé son temps dans des entraînements de natation, etc. Et un jour, en fait, elle participe à une sélection pour intégrer l'équipe olympique, je crois que c'est de l'Angleterre, du coup, il me semble. Et en fait, elle est sûre d'être sélectionnée et elle rate. Et là, le petit monde de Lou Brown s'effondre. La vie devient trop étroite, avec ses épaules trop larges, ses cheveux trop chlorés. Elle ne sait plus quoi faire de son temps, parce qu'elle passait son temps dans la piscine et que maintenant, elle semble désœuvrée, démunie, elle déprime, etc. Jusqu'au jour où elle rencontre trois garçons qui lui demandent en fait de les entraîner pour faire une chorégraphie sous l'eau pour une émission qui ressemble un peu à l'équivalent de La France a un incroyable talent. Oui, c'est exactement ça. Et donc en fait, ils veulent danser dans une cuve d'eau, faire une chorégraphie sous l'eau. Et donc, un peu intriguée par ce projet, mais en même temps curieuse et sensible au charme de certains de ces garçons, elle va se lancer dans le projet. Et voilà, à partir de là, vont s'enchaîner des épisodes loufoques assez rigolos et sympathiques. Je ne vais pas tout vous spoiler, mais voilà. Ça, en gros, c'est l'histoire. Pourquoi tu as aimé Rémi ? Oh bah c'est un livre qui fait se sentir bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu un livre comme ça. C'est drôle du début à la fin et en même temps c'est touchant parce que ça parle d'amitié, ça parle de popularité, de passion, de choses comme ça. Et c'est vraiment écrit, c'est trop mignon en fait. C'est vrai. Alors pour ceux qui connaissent et qui aimeraient, ça m'a fait penser vachement moi au journal de Georgia Nicholson dans le ton de l'écriture un peu piquant. Le personnage, il a vachement d'autodérision oui, aussi. Elle se moque d'elle-même, justement, de sa carrure de nageuse, de son côté un peu à côté de la plaque par rapport aux autres jeunes de son âge. Et c'est vraiment hyper drôle. Enfin, il y a vraiment... La plume de l'auteur est vraiment hilarante. Enfin, moi, je me suis bidonnée allègrement dans le métro en lisant ce livre. C'est vraiment super drôle. Et ouais, les personnages attachants... Ouais, les personnages ne sont pas en reste. On découvre toute la famille de Lou qui est vraiment très très chouette, entre sa grande sœur qui, elle, est super populaire et au lycée, etc. Mais c'est très chouette, c'est une bonne réflexion sur le lycée, sur des moments qui ne sont pas forcément évidents. Voilà, comme le lycée, justement. Donc, c'est vraiment un livre savoureux qu'on vous conseille fortement. Tout à fait.